Alors, je vous fais vite une petite vidéo. C'est vraiment rapidement parce que je vais être en retard. Donc, voilà, c'est parce que c'est la rentrée de ma fille, officiellement. Même si elle a fait du camp de jour et qu'elle a pu faire 3 jours d'école en juin, bah, c'est comme sa rentrée officielle. Et du coup, elle a un peu de stress. Donc, moi, là, je la dépose au service de garde avant de partir au travail. Hop, je suis désolée, hein, les loulous. Voilà, donc ma cocotte rentre en deuxième année. Et voilà, comment tu te sens, chérie Doudou? Tu sais pas? T'es pressée, pas? T'as peur un petit peu, mon amour. Bon, bah c'est normal. Hop, vous n'êtes pas en direct là, mais pratiquement. Chérie Doudou, t'es attachée? Allez, attache-toi, hop, on y va. Donc voilà, donc on démarre et je dépose vite ma cocotte à l'école. Et donc voilà, donc elle est un peu stressée, mais tout va bien se passer parce que je sais qu'elle a déjà fait connaissance avec pas mal de copains. Pas mal de copains au camp de jour, et donc ils sont dans son école. Ça, c'est hyper pratique, les camps de jour dans les écoles. Et donc du coup, bah, va vite en retrouver, hein, chérie? Ouais, allez, tout va bien aller. Maman revient ce soir. Tu as passé une super journée. T'oublie pas d'aller au bureau si t'as un petit souci, hein, elle saura te diriger, mon amour. Ok? Bon, bah, c'est bien. Allez, on va y aller. Non, chérie, c'est l'autre côté. Ouais, c'est là-bas, je crois. Va voir la dame et demande-lui le service de garde. Bonne journée, chérie. Ah, c'est le service de garde ici? D'accord, merci. Talina, vas-y, chérie. Merci. Et voilà ma fille qui part. Voilà. Ma fille qui rentre au service de garde. Et c'est parti pour sa journée. Donc on ne savait pas trop comment faire, où c'était exactement. Parce que la porte, la 7, là, c'est la porte du camp de jour. Alors bon, là maintenant on saura que la porte 6, c'est le service de garde. Donc voilà, bon bah maintenant, bah, c'est moi qui dois aller au travail. Bon, moi j'ai moins d'appréhension parce que ça y est, j'ai fait ma rentrée. Voilà, donc je vous fais des bisous et puis je vous ai fait partager un petit peu la rentrée de ma petite Fifi. Donc bonne journée à tous. Ah, attendez, je vois un bus jaune. Ça y est, c'est la rentrée. Ma fille ne le prend pas parce qu'on habite à côté, mais voilà les bus jaunes. Yeah, les écoliers. Allez, je vous fais des bisous, bye bye. Oh, ça y est, on va récupérer Talina. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a les casiers. Ils sont là, les casiers. Bon, c'est pas celui de ma fille. Je ne pense pas. Parce que je crois que les deuxièmes années sont en haut. Et donc voilà, je l'attends ici. Ah, ne pas franchir cette section. Voilà. Là, il y a toutes les photos. Donc l'année prochaine, il y aura ma fille sur la photo. Et voilà. Et en fait, l'autre côté, c'est où je l'ai déposé au camp de jour le matin. Donc voilà. Donc je l'attends. Hey, coucou! Donc on se retrouve le soir pour avoir les premières impressions de ma pépette. Donc voilà. Coucou chérie! Oh, te cache pas, mon amour. Alors, viens dire un peu tes impressions, là. Tout le monde attend de savoir ce que t'en penses. Alors, c'était bien?
T'es contente de ta maîtresse? Bah vas-y, parle. Elle s'appelle Madame Carole. Madame Carole. Ouais, elle est sympa. Elle a les cheveux bouclés et frisés. Ouais, comme toi. Il y a deux Madame Carole. Madame Carole, c'est qu'elle a les cheveux frisés et roux. Et Madame Carole, c'est la maîtresse que j'ai. D'accord, super. Et t'as retrouvé des copains du camp de jour? Oui, mais pas beaucoup, quelques-uns. D'accord, et comment ça s'est passé du coup la première journée? Super bien. Super bien, t'étais contente? Oui, c'est tout ce que t'as à dire. Aussi c'est qu'on a fait de l'art plastique. Ouais, au service de garde? Non, pas au service de garde. En classe? Oui, on était allé chez Monsieur Jean. D'accord, et ça te plaît alors? Et on a fait on a fait une activité. Moi j'étais un perroquet, et notre copine était un perroquet. Et en fait, il y avait une petite fille et une maman, elles arrêtaient. Elles voulaient acheter un enfant, c'était son anniversaire, elle a acheté un perroquet, c'était moi, et le deuxième c'était pour la maman. J'étais un perroquet sauvage, ça veut dire que je mangeais des fruits. D'accord, super. Donc t'es contente de ta première journée. Demain tu veux y retourner? Non. Ah bon, pourquoi? Parce que... Tu veux pas retourner à l'école demain? Maman. Non mais maman, elle peut pas t'emmener mon amour, toi t'es obligée d'aller à l'école. Bon, sinon t'es quand même contente. T'avais peur, ça s'est bien passé. Ouais? Oui. Bon, bah c'est super. Et on a récolté quelques fruits, ma oui. copine et moi. Génial, tu des vois ta copine. Fruits, des bons fruits. Et moi, comment s'appelle ta copine? Je sais pas. Alors ça c'est Alina. J'ai pas demandé son nom. Les prénoms, elle ne sait jamais. Ma copine! Ah, c'est ta copine qui est dehors. Ok, nice. Ok, donc voilà. Donc la petite est quand même assez satisfaite. Hein. Bon, après, c'est les enfants. Ils ne savent pas trop nous raconter non plus réellement leur journée. Mais bon, je pense qu'elle est contente quand même. Quand je l'ai retrouvée, m'a dit oui, ça s'est bien passé. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Nous, on rentre à la maison parce que demain, eh ben, c'est reparti pour une nouvelle journée. Plein de bisous. Bye bye. Hey coucou! Alors en fait, j'étais en train de vous mettre des photos un petit peu du cahier de texte que je viens de récupérer. J'ai du travail ce soir. mais en fait, je vais vous le montrer en vidéo que de mettre tout le temps des photos. Parce que c'est un agenda qu'elle doit avoir tous les jours avec elle. Et puis, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec l'institutrice. Et puis, bien sûr, elle a son planning, elle a plein de choses. C'est vraiment très bizarre comment c'est fait parce qu'en France, c'était pas du tout comme ça. Le planning était dans la classe, il me semble. Et là, c'est vraiment son agenda au quotidien. Donc ça fait vraiment grand en fait, c'est... alors qu'elle a que 7 ans, quoi. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait grand et c'est vrai que ça rappelle vraiment un peu les États-Unis. Je parle souvent de ça parce que quand on regarde des films, des séries et tout, c'est plus les États-Unis que des films du Canada. Donc c'est vrai que ça donne cette impression, quoi. C'est bizarre. Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble, ça peut vous intéresser. Donc voilà, elle nous a mis que son enseignante c'est Carole. Donc déjà ça commence tout simplement. L'agenda il appartient à qui? Un petit mot de la direction, ce qui est sympa. Voilà pour cette année. Donc c'est voilà, elle nous explique un petit peu. Alors par contre je vois ce mot autonomie. Et ça c'est vrai qu'ici vous allez vite vous en rendre compte. Mais je le vois même à la garderie, c'est hallucinant comment ici vraiment ils prônent pour l'autonomie, contrairement en France où on était un petit peu plus limité, même s'ils apprennent aussi, mais c'est vraiment complètement différent l'éducation. Donc là on a un répertoire téléphonique, donc vraiment complet. Donc là ce qui est bien c'est quand même à l'attention des parents, donc on a les horaires, etc. Donc très bien, parce qu'en fait je me posais justement les questions et mes questions sont... j'ai eu les réponses du coup. Visiter à l'école, rendez-vous, dîner à l'école. Voilà, il nous parle de tout ça. Les cellulaires, il nous parle des collations. Là, il nous parle donc du service de garde aussi, parce que je me posais quelques questions. Qu'est-ce qu'ils font au service de garde, etc. Donc, il faut des activités. Voilà, du bricolage, du théâtre. C'est bien, parce qu'il faut quand même quelque chose. C'est pas comme en France, où ces dernières années, où on faisait... Enfin, c'est pas que pour critiquer la France non plus, quoi.
Mais en même temps, on voit quand même qu'au service de garde, ils proposent des choses qu'en France, les dernières années, quand ils restaient après les cours, niveau activité, c'était assez limité. Et pour se mettre en place, ça a été assez long. Donc, bon. Là voilà, donc un message des professeurs parce qu'ils font l'éducation civique. Donc en fait, il faut qu'ils aient un sac avec des souliers dedans de course. Vous voyez, ils appellent ça des souliers de course et pas des baskets. Je crois que ça n'a pas la même signification. Ils veulent aussi des culottes courtes. Donc c'est un short et puis un chandail. Donc voilà, c'est un petit t-shirt. Donc c'est vrai que même les mots sont différents, il va falloir s'y faire. Voilà, et ça c'est le planning de ma fille. Donc, il commence à se remplir. Donc, je suis contente déjà parce que je vois de l'anglais, de l'art dramatique. Alors ça, elle va adorer. C'est trop fort. De l'art aussi. Aujourd'hui, elle a fait de l'art. Elle m'a dit, c'était super. Et de l'éducation civique, elle m'a dit qu'il y en avait tous les jours. Biblio, etc. Bon, j'ai pas tout compris parce qu'il y a des grilles, en fait, encore 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'en fait, chaque semaine correspond à un numéro, à ce que j'avais compris. Quand la directrice, j'avais pris rendez-vous avec elle. Alors, je suis pas encore au point pour ça parce que voilà, chaque semaine a son chiffre et c'est pas forcément tout le temps la même. Enfin, c'est très particulier. Donc, comme vous voyez, il commence à 8h50 et en fait, ils finissent les cours à 15h55. Et après, c'est le service de garde qui prend la relève. Et vous voyez là le dîner. Alors, le dîner, donc c'est le repas du midi, hein, le déjeuner. 11h45 à 13h. Donc vous voyez un petit peu les horaires. Alors les horaires sont un peu différents d'une ville à une autre aussi, hein. C'est pas forcément tout le temps ces mêmes horaires-là. C'est approximativement ces heures-là, dans tous les cas d'une demi-heure près, hein. Donc voilà, donc là il y a des listes. Alors là c'est bien aussi parce il y a le service de cafétéria quand même scolaire. Donc à ce que j'ai compris, pas toutes les écoles le font. Nous on le fait. Alors moi je me tâte à savoir si je vais le prendre ou pas. Donc vous voyez, vous avez le menu au complet à 5 $, ce qui comprend vraiment tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez faire votre menu, enfin, sans la soupe, vous pouvez choisir, ce qui fait que ça réduit un petit peu. Voilà, il y a les desserts, donc bon, il y a des repas légers, bon, hein. Il y a quand même des salades, des sandwichs, des collations. Donc c'est possible aussi de leur donner une pièce pour qu'ils s'achètent des collations. Donc c'est nickel, je trouve. Et en fait, là, ils font un planning à l'année pour les menus. Donc comme ça, vous savez, selon la semaine, etc., qu'est-ce qu'ils mangent. Donc oui, c'est pas mal. Comme ça, au moins, on peut prévoir nos tickets, si on veut qu'ils restent à la cantine ou pas. Donc je trouve ça pas si mal. Donc voilà. Ensuite, dans cet agenda. Voilà le menu hiver. Ah, il y a un menu hiver. Je découvre en même temps, je vous avoue. Hein. Un menu hiver. Et puis là, j'ai vu, il y a un menu printemps. D'accord. Donc à chaque saison, son menu. C'est pas mal. Droit à l'image, code de conduite. Bon, après, voilà, hein, il parle un peu de tout, les responsabilités. Je respecte les adultes. Je règle mes conflits. Vous voyez, c'est très. Voilà. Et donc là, il y a des points. Je découvre en même temps, en fait. Hein. Bon, après, j'ai vu que j'avais pas plein de paperasse. Et voilà un petit peu à quoi ressemble. Donc voilà, il faut que je remplisse. Alors, au mois d'août, est-ce qu'il y a déjà un mot? On ne sait jamais. Non, pas encore. Donc voilà. Et puis là, les répertoires téléphoniques. Ah tiens, les tables de mu d'addition, soustraction. Enfin voilà. Et donc maintenant, j'ai tout ça à remplir aussi. Je n'ai pas encore regardé ce que c'est exactement. Ah voilà, là, donc là, c'est mon planning, moi, l'année. Donc voilà, en fait, il y a les journées pédagogiques, il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça que toutes les écoles n'ont pas commencé en même temps parce qu'ils ont placé leurs journées pédagogiques ici, dans mon école. Donc en fait, c'est vraiment pas partout pareil. Ça, c'est les carrés, c'est 3 journées de réserve en cas de force majeure. Donc je pense que c'est surtout
Ils doivent les bouger aussi, à ce que j'avais compris. Les journées pédagogiques mobiles, les étoiles. Enfin voilà, donc vous voyez, chaque semaine, enfin même chaque jour correspond à un numéro, quoi. Enfin voilà, donc il va falloir que je me réfère pour ça à chaque fois ce qu'elle fait. Donc c'est jamais pareil en fin de compte. C'est même par jour, je crois que c'était par semaine. Ouais, donc voilà. Vous voyez après combien de fois il travaille dans le mois. 19 jours, etc. Bon, toujours, il travaille toujours. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu à quoi ressemblait cet âge fameux agenda. Et puis on va dire la première journée de ma fille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, même si elle est courte, vous aura plu, vous aura renseigné un petit peu plus sur ces écoles ici. C'est juste une petite aperçu, hein. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à mettre le petit pouce sous la vidéo pour me soutenir sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous aussi à la chaîne si vous voulez être tenu au courant dès qu'une vidéo sort. Plein de bisous, à bientôt, ciao ciao!